Ah, vas-y, t'es content, tu m'as niqué tout ce que tu avais à me niquer. Hein, je pense que là, t'es content. Voilà. Ensuite, maintenant, on va user les grands moyens. Espadon du chevalier. Putain, j'ai esquivé. Mais non, mais putain, mais vous avez vu ça? Putain, comment voulez-vous? Oh là là, non, mais ça va pas recommencer. Ça va pas recommencer. Oh non, non, je veux pas rager là. Hein. Oh non, non. Ah, je veux pas rager. En plus, ça fait 20 minutes. Là, je suis censé arrêter la vidéo. Putain, j'ai pas commencé à rager quand même. Ça va pas le faire. Putain, si j'arrivais à comprendre cette putain de logique. Déjà, toi. Vas-y. C'est lui qu'il faut éliminer en premier parce que lui, c'est un gros. Vas-y. Putain. Le feu, il peut pas m'atteindre ici. Dans la vraie vie, le feu m'atteint pas quand t'es ici. Vas-y, dégage. Voilà. Maintenant, c'est quoi? Toi, tu dégages d'ici. Ensuite, toi, tu dégages d'ici. Voilà. Merci pour tes rubis au passage d'ailleurs. Ils sont fort sympathiques. Vas-y, donne-moi tous tes crocs de bokoblin. C'est bon? Ça fait venir tout le monde? Allez. Maintenant, deuxième vague. Ok. Boum! C'est ça que je voulais faire au début. Par contre. D'accord. Vas-y. Va niquer tes morts. Voilà. Ensuite, on récupère tout ce qu'on a récupéré. Rubis. Rubis, tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a un truc qui voulait sortir de l'eau? Mais c'est quoi cette vanne? Putain, quoi. Oh là là! En fait, ce que je voulais faire au début, ça n'a pas marché en fait. C'est pour ça que là, j'ai un peu galéré sur le reste du coup. Bon, au moins, ça nous fait quelques petits rubis. C'est toujours ça de prix. Ah, je vous jure, j'ai rien compris là au début. Alors, voilà. Déjà, ça c'est fait. D'accord. Ok. Flèche en bois. Moi, je vais me rentabiliser au niveau de mes flèches parce que là, je vous avoue que le combat a été rude. En fait, c'est surtout que je pense pas à esquiver. J'oublie d'esquiver. Je m'en souviens pas qu'on pouvait esquiver comme ça. Perchée grillée, un cœur et demi. Cette perche dont l'arôme et le goût sont enrichis par la cuisson à la flamme restaure plus d'énergie vitale. Ouais, j'oublie qu'on peut esquiver comme ça. Pour moi, j'ai pas l'habitude de ce nouveau Zelda, même si ça fait au bout de 40, enfin 49 vidéos. Pour moi, ces Zelda, j'ai vraiment pas encore l'habitude. Pour moi, dans un Zelda, on esquive, enfin, on n'a pas ce genre d'esquive, quoi. Enfin, on peut avoir ce genre d'esquive, mais il est pas autant violent. Et surtout que la portée, dans les Zelda, dans les autres Zelda, je la connais. Dans ce Zelda-là, je connais pas du tout la portée de mes esquives. Et par contre, là, tout fout vraiment de ma gueule. Hein. Merci. Voilà. Bon, moi, je m'en suis rentabilisé au niveau de mes flèches. C'est déjà une bonne nouvelle. Hein? Bon, on va garder ça en positif parce que là, sinon. Et puis beaucoup. Non, monsieur. Monsieur non plus. Ah ouais, non, mais là, je vous avoue que ça donne des fois envie de s'arracher des poils de la barbe. Hein. En fait, je m'en souviens plus des touches. Voilà, comme ça. Voilà. Ensuite. Mon dieu, c'est une catastrophe. En plus, nous avons pas mal de coffres qui nous attend. Donc, c'est une très belle récompense à la clé. C'est ça qui fait plaisir. Ah, d'accord. On aurait pu avoir des grillés. C'est vrai qu'on aurait pu avoir des grillés, mais. Ouais, on va tenter d'avoir des grillés quand même. Point de beaucoup. Allez. Alors.
On va ouvrir le coffre en même temps que ça brûle. Arbre, ambre brut. Cette résine végétale faussée d'aérule qui brille d'un éclat caramélisé se porte en bijoux ou sert d'objet d'ornement depuis la nuit des temps. Ambre brut. Cette résine végétale faussée d'aérule qui brille d'un éclat caramélisé se porte en bijoux ou sert d'ornement depuis la nuit des temps. Ouais, bon, écoutez, non plus. Je vais les chouchous. J'espère que je n'ai rien oublié. El Griffu. Épée de soldat. Ok, donc ici c'est fait. Ah, par contre, il y a deux pierres. J'avais pas vu qu'il y avait une deuxième. Il n'y a rien du tout. Ou à part, je vais peut-être soulever, mais c'est peut-être réellement même pas. Alors, du coup, on va rentrer dans le crâne. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans le crâne? Qu'est-ce qui nous attendait? Y'a rien du tout, même pas un petit truc. Même pas un petit truc de sympa. Ah, en fait, ici, c'était le repère des monstres, quoi. C'était le repère des monstres. Putain, ici, si ça respawn à nouveau, ça sera chiant. D'accord, ici, il y a strictement rien. Par contre, on peut voir la vue du coup d'ici. Et là, je pense que ici il y aura des Nokorogu et tout. Alors, de toute façon, ici, ça a l'air d'être un endroit pour pouvoir grimper. Parce que certes, il y a des autres trucs, mais... On verra s'il y a quelque chose en contrebas. Mais après, ce jeu, c'est une grande exploration où il faut explorer chaque parcelle. Mais chaque parcelle du truc, quoi. Allez. Voilà. Ok, d'accord. La faille là. Bon les amis, on va s'arrêter là. Vous savez quoi, je sais que ça fait pas le temps que... Putain, que j'aurais voulu. Voilà, ça fait pas... Enfin, j'aurais pas tout fait ce que j'aurais voulu. J'avais aussi envie d'explorer la petite partie qui se situe là-bas. Dans la prochaine vidéo, vous savez quoi, on explorera la partie qui se situe là-bas. Bon, je pense qu'au centre, il y a un peu rien à explorer, honnêtement. Ou à part, peut-être, je coupe pour faire une autre partie, mais... Non, en fait, il y a rien, quoi. Pff, allez, on va vite l'explorer. On a 2 minutes pour l'explorer. On va y aller. Alors, on va vite se dépêcher. Ouais, s'il y a des choses importantes, on se quitte ici, hein, parce que... Si y a des coffres et tout, j'ai pas envie de gaspiller tout mon temps là-dedans. Non, il y a rien. Ou peut-être si, peut-être il y a, mais je le vois pas. Mais en tout cas, ouais, sûrement il y a, mais je sais pas non plus avec l'épisode dépasse, donc je pense qu'on le verra dans la prochaine vidéo. Hein, vous savez. Non, en fait il y a rien. Je peux faire tous les efforts que je peux, mais. Là, vraiment, c'est la dèche. C'est la dèche. Bref. Ah, mais ça continue le lac. Jusqu'à où? Ah, jusqu'à... Ah, puis il y a un radeau ici. Bah, tenez. Parfait. La prochaine fois. Bah, du coup, on va explorer, du coup, le lac. Ah, bah, là, il y a une noix Korogu, c'est fait. Voilà. Bon, on verra, c'est des... Là, de toute façon, on va y passer sur le truc. Donc, voilà. Donc, écoutez, les amis, j'espère que cette... Voilà, il y a encore là. Que cet épisode, ben, vous aura plu. On se retrouve, du coup, ben, dans la prochaine vidéo, dans laquelle on explorera, donc, du coup, l'autre partie du lac après le pont. Donc, on ira plutôt après le pont, comme ça, on fera les choses dans l'ordre. On explorera, du coup, toute la partie qui se situe sur la côte de la montagne, dans laquelle on verra un petit peu si au-dessus de ces côtes-là, s'il n'y a pas des noix Korogu ou quoi que ce soit. Et du coup, voilà, ça nous fait un programme bien chargé pour la prochaine fois. Et du coup pour le 50e épisode, et oui, je sais pas s'il y aura un événement spécial, bon je pense pas quand même parce que j'aime pas trop fêter ce genre d'événement d'épisode. Mais voilà pour cette 50e vidéo, en tout cas voilà quoi, j'espère que ça vous plaira. En tout cas on se quitte ici, et on se dit du coup à très vite pour l'épisode 50, et d'ici là, portez-vous bien. Non, en fait, je regardais juste avec le temps et tout, mais on a 2 minutes, honnêtement, 2 minutes, on peut récupérer ce coffre. Vous savez quoi? Ça manque Kikine, mais...
Voilà, on peut récupérer ce coffre à partir de ce temps. Ambre brute, cette résine végétale fossile d'Aerul qui brille d'un éclat caramélisé et se porte en bijou d'une usure d'ornement depuis la nuit des temps. Voilà, au moins ça nous aura fait un bon petit épisode sympatoche. Et du coup, ben voilà, on se dit du coup à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Azuric Piracia. Oh yes! Allez, bye tout le monde!